Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau pistolet à colle de chez Cléopâtre. En fait, c'est un pistolet sur lequel je les avais conseillés parce qu'ils m'avaient envoyé il y a quelque temps un prototype. Et moi, j'aurais proposé quelques petites améliorations. Je fais régulièrement des meubles en carton, je sais ce qui est important dans un pistolet à colle. Donc là, je vous les présenter. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait déjà une méga manette. Parce que bah, souvent, c'est les femmes qui font les meubles en carton. Et ça fait, au bout d'un moment, la manette, c'est important qu'elle soit confortable à l'utilisation. Donc avec leur nouvelle manette, en fait, on peut mettre les quatre doigts et on peut travailler. Je l'ai déjà testé hier sur un petit pouf. J'ai fait pour mon kangou et franchement, c'est super. Après, il y a une autre chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir un débit assez rapide au niveau de la colle. Et effectivement, comme on peut travailler avec les quatre doigts, on se fatigue beaucoup moins. Donc on peut y aller vraiment d'une traite. Je sais pas si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos. Moi, je prenais carrément la colle par l'arrière. Et avec le pistolet là, il n'y a pas trop besoin. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer. Là, en fait, si vous avez déjà vu mes meubles, ici, je vais me rajouter une petite étagère. Parce que j'ai un coin en fait où j'ai mis un dérouleur électrique et puis je voulais mettre des petites choses au-dessus. Et là je suis en train de me fabriquer l'étagère pour aller dans le coin là. Bon, moi j'ai toujours l'habitude de pousser par l'arrière parce que faut que ça débite. Mais là en fait voilà, franchement ça va tout seul avec le pistolet là. Et c'est intéressant, je trouve. Bon, là, ça fait longtemps que je l'ai laissé chauffer. Il chauffe assez rapidement. Donc, ça, c'est un point intéressant. Ça va être pour du gros meuble. Hein. C'est pour les maquettes. L'ancien pistolet à colle, en fait, il avait des petites buses pour vraiment faire le petit point hyper précis. Là, il est plus démontable. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que le caoutchouc là, il a l'air assez costaud. Je pense qu'il va durer longtemps parce que souvent ce qui fait que le pistolet à colle il finit par griller, c'est le fait que le caoutchouc il se décompose. Et là j'ai l'impression qu'il a envie de tenir, de rester sur le pistolet. Donc on verra par la suite. Donc là voilà, moi je vais terminer mon petit rajout de rangement là que je me suis préparé. Je vais le peindre et puis je vais le crafter. Pour ceux qui sont intéressés pour trouver le même pistolet à colle, sachez que Cléopâtre m'offre un code de réduction. Tout est noté dans la barre d'infos. Vous pouvez le trouver sur le site placedesloisirs.com. Et vous tapez le code promotionnel les cartons de surf. Et pour avoir 10% de réduction sur l'achat de ce pistolet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like. Et je vous dis à la prochaine. Bye!